11h, devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune Moreno Andreatta, chercheur au Centre national de la recherche scientifique, né à Schaffhausen, Suisse, le 28 avril 1971, domicilié à Antony, 4 rue Charles Le Beau, d'une part, et Wiebke Drenkan, chercheur au Centre national de la recherche scientifique, né à Belzig, à Paris, le 6 avril 1977, domicilié à Antony, 4 rue Charles Le Beau, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles du Code civil concernant le mariage. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, s'ils n'avaient pas ces contrats de mariage, c'est votre cas, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371, paragraphe 1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou à l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Mademoiselle Wiebke Drenkan, consentez-vous à prendre pour époux M. Moreno Andreatta, ici présent. Monsieur Moreno Andreatta, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Wiebke Drenkan, ici présente? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage.